On s'est pas vu. Ouais, c'est ça vraiment. Ouais. Ah, hein, je dessine. Ah ouais, d'accord. C'est les bâtiments juste en face, là. Oui, 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 oui. Ah, c'est pas mal. Ouais. Hein, c'est quoi que tu chantes? Je sais pas, c'est un air que j'ai dans la tête depuis ce matin. C'est une chanson très connue, mais j'arrive pas à me rappeler. Ça va, oui. Qu'est-ce que tu fais par là? J'étais là pour acheter un livre. Ah, t'as acheté un livre chez Dialogue? Oui, voilà, je voulais lire Céline, oui. Donc j'ai lu Les Voyages d'Achtolotte, Noir Crédit et No. Mais c'est lequel que t'as préféré? D'Achtolotte. L'intrigue est bien. Mais c'est pas
aussi expliquer. Quel est l'air que vous fredonnez là? Je ne sais pas, j'ai cette air-là dans la tête depuis ce matin. J'ai demandé à Viviane si elle savait. Je crois que c'est Pavarotti, mais elle me dit que non, que c'est une voix de femme. Moi je pense que c'est une voix d'homme, mais je ne sais pas qui c'est. Je la connais quand même. Je la connais. C'est agaçant hein, quand on a un air dans la tête comme ça. Jean-Yves. Oui, bonjour, c'est Alain. Oui. Oui, ça fait au moins 15 ans que je ne t'ai pas vu. Quoi. Au moins, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu deviens alors? Moi, je suis retraité. Tu n'es pas retraité encore? Ah non, non pas encore, non. Je te présente Viviane, Jean-Yves. Oui, bonjour Viviane. Oui, je crois. Enchanté. Oui. Patrick. Bonjour Patrick. Un ami de France. Comment? Tu vas au Capucin? Je vais aller au Capucin, oui, en téléphérique. Thibaut Perret. C'est André Puccini. Voilà, c'est ça.